On va parler maintenant du burn-out parental et tout de suite, je commence avec une question d'Élodie qui habite Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Élodie, je suis de Strasbourg. Ma question concernant le burn-out parental, c'est de savoir si on est en capacité de s'auto-diagnostiquer. Si oui, du coup, quels sont les symptômes à déceler ou pas? Merci pour votre réponse. Alors peut-être les cernes déjà pour les symptômes, mais on va tout de suite découvrir en image le burn-out parental et on en discute tout de suite après avec Élodie Grimaud. Récupérer Sam chez la nounou et Lily à la danse, payer la cantine, faire les machines, le dîner, les courses. Vous n'en pouvez plus et ne rêvez que d'une chose, partir en vacances sans enfant. Eh bien dites-vous qu'on ne vous juge pas et que vous n'êtes pas seul du tout. Car le burn-out parental touche plus de 5% des parents en France, aussi bien les mères que les pères. Apparu dans les années 80, cette expression veut littéralement dire « brûler à l'extérieur », ce qui signifie un état de saturation ou d'épuisement. En d'autres termes, vous êtes au bout du rouleau. Dès qu'il est question de vos petits, vous ressentez un épuisement physique et psychique, un détachement affectif ou encore une perte totale d'épanouissement dans votre rôle de parent, et patati et patata, ne vous jetez pas la pierre, cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Le sentiment de burn-out vient du désir de perfection. Vous voulez que votre enfant nage comme Laure Manaudou, qu'il soit aussi talentueux que Mozart et que vous deveniez aussi pédagogue que Françoise Dolto. Forcément, en mettant la barre si haute, vous avez de quoi être déçu. Et face à cela, tout le monde réagit différemment. Problèmes de sommeil, saut d'humeur, baisse de la libido, prise ou perte de poids, négligence face aux enfants. Dans les cas les plus extrêmes, on parle même d'idées suicidaires. Pour ne pas en arriver là, il n'y a aucun remède miracle. Parlez-en à vos proches, votre médecin de famille, un spécialiste, déléguez si vous le pouvez et acceptez que ni vous, ni vos enfants ne seront jamais parfaits. Car la perfection, eh ben, ça n'existe pas. Alors Elisabeth Grimaud, la question d'Élodie, c'était justement quels sont les symptômes? Là, on a vu des symptômes qui sont un peu violents, qui sont peut-être ceux avant le côté fatal. Mais au début, comment on peut voir qu'on est sensible au burn-out? Alors on va voir parce qu'on va devenir quelqu'un qui n'est plus en phase avec ce que l'on est habituellement. On va devenir quelque chose de pas normal. Hein, on va s'éloigner de la normalité, de ce qu'on a envie d'être. Bien souvent, c'est une histoire de perfection. Hein, et on en a parlé dans le reportage. On a tendance à vouloir aller vers le perfectionnisme. On veut être la mère parfaite, on veut être le père parfait. Et la mère parfaite et le père parfait n'existent tout simplement pas. Pourquoi on en parle maintenant? Même le mot burn-out, on en parlait très peu il y a une vingtaine d'années. On ne savait pas ce que c'était. Pourtant, ce n'est pas une maladie qui est tombée du ciel comme ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas du tout une maladie qui est tombée du ciel. Je pense même d'ailleurs qu'autrefois, il y avait des nourrices, il y avait aussi la famille. On déléguait plus. Aujourd'hui, on est un petit peu plus isolés. On est aussi face à des enfants avec, on va dire, beaucoup de distractions. C'est-à-dire qu'il y a la télévision, il y a le téléphone portable, il y a le travail. Auparavant, les mamans ne travaillaient pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, les mamans travaillent. Alors, on dit que quelque part, quand on travaille, on ne devrait pas avoir d'enfants, on devrait être aussi performante que quand on n'a pas d'enfants. Et quand on s'occupe des enfants, on devrait être aussi performante que quand on n'a pas de travail. Et là, il y a... Et justement, on a l'impression de vivre dans une société où il faut performer en permanence. Et puis surtout, on a l'impression que les recettes qu'on applique au travail, on essaye de les appliquer maintenant à tout dans notre vie. Oui, alors justement, l'OMS a revu sa classification et a fait entrer le burn-out dans sa classification. Alors, il le définit comme du stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Et donc, il y a le sentiment d'épuisement, il y a des sentiments négatifs et il y a une perte d'efficacité. C'est tout à fait ce qu'on voyait dans la définition avec le burn-out parental, c'est-à-dire qu'on va finir par s'épuiser à vouloir être le parent parfait. Donc, bien retenir qu'il n'y a pas de parent parfait. Je crois que c'est vraiment... s'éloigner de cette idée de perfection et simplement vouloir être qui on a envie d'être, simplement. Et c'est à quel âge qu'on est sensible au burn-out parental? Je ne parle même pas de l'âge des parents, je parle des enfants. Est-ce qu'il y a un âge au niveau des enfants où on est plus sensible? Parce que quand une maman vient d'accoucher, elle est très, très fatiguée aussi. Donc, ce n'est pas forcément un burn-out, c'est physique. Ça vient à quel moment? Oui, alors il peut y avoir effectivement cette fatigabilité plus importante après l'accouchement. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est dû au déficit d'ocytocine, à la baisse brutale d'ocytocine liée à l'accouchement. Et ça, ça peut
ça peut faire apparaître une petite déprime. Cette déprime, en général, elle est passagère. Si elle dure plus de quelques mois, à ce moment-là, on en parle. On en parle à son médecin, on en parle à ses amis. On le disait tout à l'heure dans le reportage, communiquer. C'est extrêmement important de parler de ça, tout simplement parce que quand on en parle, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de choses et que bien souvent, les autres parents ont vécu des difficultés qui sont assez semblables et puis ça nous permet de relativiser. J'aimerais savoir, lorsque les parents sont victimes d'un burn-out parental, est-ce qu'il y a un effet miroir avec les enfants? Oui. Les enfants sont de vraies éponges à émotions et quand une maman ou un papa va pas bien, eh bien l'enfant va le sentir tout de suite. Ce qui fait qu'effectivement, la première chose à faire, c'est peut-être d'essayer de s'occuper de soi. Là, en burn-out parental, prendre soin de soi, être attentif aux éléments qui pourraient nous donner quelques signes d'alerte de ce début de burn-out. Le burn-out commence bien souvent par un burn-in, c'est-à-dire que ça commence à aller moins bien à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est en stress biologique et ce stress biologique va avoir trouver quelques indices comme la fatigue, on va être plus fatigué, on va moins bien dormir, on va aussi être moins attentif, on va être moins patient avec ses enfants et puis on va s'énerver aussi beaucoup plus facilement. Ça, l'énervement, c'est quand même ce qui ressort. Alors, je suis allée sur Internet pour me renseigner un peu sur le burn-out parental et là où j'étais très étonnée, c'est on trouve souvent des témoignages de mamans. Oui. Rarement les papas. Est-ce que ça veut dire que les papas, ils ne subissent pas le burn-out parental ou ça veut dire qu'ils n'osent pas en parler ? Il peut y avoir les deux. Peut-être qu'ils n'osent pas en parler. De plus en plus de papas s'impliquent beaucoup dans l'éducation des enfants et ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a plus de mamans parce que globalement, il y a encore beaucoup de mamans qui s'occupent de leurs enfants et puis les papas restent un petit peu de côté. Mais tous les papas qui s'impliquent peuvent également subir ce burn-out parental. Alors, est-ce qu'ils vont en parler ? Est-ce qu'ils ne vont pas en parler ? Il y a aussi l'idée que le papa prend un peu de distance par rapport à l'enfant. On dit souvent que le papa va amener l'enfant à se développer parce qu'il va le challenger et ce challenge est bénéfique pour l'enfant mais aussi bénéfique pour le papa puisque ça lui permet de prendre de la distance. On a l'impression aussi qu'on est dans une société où les parents veulent tout maîtriser chez l'enfant, on a dit comme le job, on a l'impression que les enfants ne doivent jamais s'ennuyer, les enfants ne doivent jamais être livrés à eux-mêmes, ils n'ont plus la possibilité même de se découvrir eux-mêmes, ils n'ont pas le temps, ils ont le même emploi du temps que leurs parents. Il y a peut-être quelque chose aussi à changer là-dedans, non ? Oui. Là, on est vraiment dans un effet de société. Aujourd'hui, il faudrait toujours être occupé et même on est toujours occupé. Des sollicitations audio avec la télé. Le téléphone portable, quand même, occupe de plus en plus de place et occupe de plus en plus de place dans la tête des parents, ce qui fait qu'eux-mêmes ont de moins en moins de temps à consacrer à leurs enfants. Et les enfants, en fait, vivent avec cet effet miroir et vont avoir la même attitude que leurs parents. Alors, on parlait du téléphone, on peut aussi parler un peu des réseaux sociaux parce qu'eux aussi, ils mettent la pression, je trouve, aux parents puisqu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux avec l'apparence physique, mais on a aussi ces familles idéales qui sont en photo où tout va bien. Oui. Et ça met la pression. Oui, alors les réseaux sociaux ne sont qu'une façade. Bien souvent, derrière la façade, il y a une autre vie. Effectivement, ça met la pression, mais il ne faut pas se mettre la pression. Peut-être que l'idée, justement, est de se détacher de la maman parfaite qu'on voit avec ses enfants, tout va bien, tout va toujours bien. Non, tout va pas toujours bien, c'est pas vrai. Elle met sur les réseaux sociaux ce qui va bien, mais dans la vraie vie, évidemment qu'elle a des problèmes, comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Moi, j'ai tendance à dire, c'est toujours mes conseils beaux, bien bons. Le beau, c'est soyez qui vous avez envie d'être. Peu importe ce que vous dit la maman, la grand-mère, votre maman, peu importe ce que vous disent les amis, soyez qui vous avez envie d'être. Peut-être suivre son instinct, c'est bien aussi. Absolument, voilà. Suivre son instinct, oui. En tous les cas, si on pourra vous rencontrer aussi pour avoir plus d'informations, puisque vous serez en dédicace à la FNAC de Mulhouse. Oui. Pour votre livre « Programmer votre cerveau pour le bonheur ». Ça se passe quand à la FNAC ? Ça se passe samedi 8 juin à 15h à la FNAC de Mulhouse.